Welcome to Candid Creoles, where we elevate, celebrate Haitian excellence and friends. Today, we have the pleasure to host a candid conversation with Rachel Scott. Rachel est née à Port-au-Prince, Haïti, et elle est initiée dès son plus jeune âge au monde des couleurs chez Solange Gentil et le grand maître Tiga de l'école Saint-Soleil. Depuis, la peinture ne la quitte plus. À 17 ans, Rachel part pour Boston faire des études et au cours des années obtient plusieurs diplômes, dont celui en ressources humaines et en administration d'entreprise avec honneur. What a beautiful thing! It's so beautiful. Thank you. We had a dog. I had to stop. I love dogs. Rachel a vécu depuis. Rachel a vécu près de 20 ans aux États-Unis avec sa fille aînée Stéphanie et connu une brillante carrière en gestion dans de plus grandes multinationales. En charge de la mairie. J'ai hésité parce que j'ai la difficulté de voir et à cause du soleil. Ce qui amena Rachel à visiter de nombreux pays. Rachel Scott participe à plusieurs expositions collectives, internationales ou individuelles. Bienvenue, oui. Rachel. Merci, Sandra. Merci. Je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te voir, merci beaucoup. Okay. Et tu sais que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand on a été en Orlando, tu habitais à Miami et tu es passé le prendre, on a été en Orlando et arrivé en Orlando, on avait utilisé MapQuest pour les directions et on n'a pas pu trouver avec MapQuest, donc depuis lors, je n'utilise plus MapQuest. Ok, je le vois. Mais on a quand même passé un bon week-end et je t'ai amené à bon port. Oui. Donc, oui, c'était bien. C'était vraiment bien. C'est très vrai. Ouais. C'était vraiment bien. Et ça va, tout va bien pour toi? Tout va bien, grâce à Dieu. Et nous luttons tous et contre la situation et la pandémie qui existe et tout ce qui accompagne cette pandémie. Et la famille va bien. Mes parents ont eu ce COVID, mais ils sont bien grâce à Dieu. Okay. Mes enfants vont bien, mes filles vont bien. Okay. Et je suis grand-mère de deux adorables petits-enfants. Donc je suis fière, oui. Je suis Mamie Chou qui gâte. Oui, bien sûr, et tu vas la gâter. Je m'adonne entièrement à mon art, à ma peinture, à mes gravures. Je t'en parlerai. D'accord. Ça fait plaisir de savoir que la famille va bien. Et toi, et comment ça va? Comment vont les affaires? Comment vont tes trois adorables et petits génies en musique? Comment vont-ils? Tu es gentille. Tout va bien, comme tu le sais. J'ai le plaisir de travailler dans l'immobilier et j'ai encore un plus grand plaisir d'être une consultante d'affaires personnelles. I'm a business coach and also a personal coach as well. And I like to say I'm a confidence coach as well. Et mes enfants, ils vont très bien. Et les deux plus âgés sont à l'université et le Benjamin, il est à la maison et il va à l'université en août ou bien en septembre, ça dépend de COVID, bien sûr. Okay. Mais ils vont très bien, merci. Et tu as parlé de la musique, il n'y a qu'un seul qui a gardé une passion pour la musique et c'est mon second. Il est à l'université et il étudie, il poursuit une carrière je dois dire ça en anglais et he's
He is pursuing a degree in music performance. I couldn't think for a second. I couldn't remember for a second. Music performance and a minor. He's going to take a minor as well in psychology. So he loves music. Yeah. Donc il continue avec la musique. Yeah. Il continue. Je vois. Yeah. C'est bien, c'est bien. Et, comme tu le sais, j'adore tes tableaux et ta peinture est vraiment, c'est vraiment bien. Et donc, aujourd'hui, on va en parler. Donc, que peux-tu me dire de ton art? Je peux te dire que pour moi, mon art, c'est transmettre mes émotions et ma passion à travers une caresse de mes pinceaux, faire chanter l'eau dans une aquarelle, dessiner, peindre une marine comme Pestel et celle que tu vois. Mais c'est aussi transmettre mes émotions à travers un poème ou mes écrits. Tu écris des poèmes aussi? J'écris ce que je ressens. Ah, d'accord, d'accord. Mais le plus souvent, tu dessines, c'est ça? Tu es en train de peindre. Oui. D'accord, d'accord. J'adore ta réponse, c'est très poétique. C'est vraiment beau. Et les deux tableaux que je peux voir là, ça évoque un talent dont la marine prend la conquête des mers. Les deux, c'est vraiment bien. Merci. J'adore les marines, c'est vraiment bien. J'adore l'eau, tu sais, je vais à la plage assez souvent. Donc, j'adore, c'est vraiment bien. Je te suis, j'ai l'impression que tu y es chaque matin. Et c'est très beau et merci de ce partage. Et je ne suis pas à la plage, moi, je suis à la montagne. Donc, parfois, très souvent, la mer me manque énormément. Mais je la retrouve dans mes peintures. Oui, et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci. Oui, merci. J'adore aller et prendre les marches, spécialement le matin, parce que j'adore le lever du soleil. Mais parfois, je vais dans l'après-midi aussi. Mais je n'y vais pas tous les jours, parce que parfois, j'adore marcher tous les jours. Mais parfois, je vais prendre une marche en rue et parfois, je vais à la plage. J'essaie d'aller à la plage le plus souvent possible, mais j'aime mélanger aussi. Donc, mais j'adore. Moi, j'adore aussi. Merci du partage. J'adore la nature. Ouais. Et merci d'apprécier. Okay. C'est très, très, très bien. Et tu as commencé, et je sais que tu écris des poèmes, tu dessines, tu peins. Et moi, j'adore jouer avec les mots aussi. Je ne suis pas poète et je n'écris pas aussi souvent que j'aimerais, mais parfois j'ai une inspiration et ça m'arrive assez rare. C'est assez rare que ça m'arrive, mais j'adore quand j'ai l'inspiration d'écrire. J'adore jouer avec les mots. Et donc, quoi, tu dis? Tu dois être encouragée de le faire. Mais il y a le temps aussi. Et écris. Tout ce que tu ressens et ce qui t'inspire. D'ordinaire, j'ai une inspiration quand il y a quelque chose qui m'a touchée. Et puis, j'ai une inspiration et puis je commence à écrire. Okay. Mais ça m'arrive assez rarement. Donc, on verra. On verra. Qui sait? Bien sûr. Qui sait? Qui sait? Et tu as commencé à peindre assez jeune. Donc, qui t'a influencé de si tôt? Je peux dire qu'avant de dire qui m'a influencé, c'est que la musique m'influence beaucoup. Elle est dans mon âme, elle se retrouve dans toutes mes œuvres. Maintenant, qui? Mes parents. Bien sûr. Les femmes de ma famille, des Potomitans,
Dans mon art, j'ai mon professeur de ma jeune enfance, Solange Gentil, et le grand maître Tiga de l'école Saint-Soleil. Ensuite, les expressionnistes comme Georges Wald, Victor Humareda, Frida Kahlo, les contemporains comme Michel Manuel, Luce Tournier. Je m'appelle beaucoup des marines de Raoul Villard, le grand maître Patrick Villers, qui est un parent, mon cousin Édouard Duval-Carrier. Il y a aussi Michel Mathieu. Il y a Peter Doig, un Écossais que j'aime beaucoup. Et c'est pour citer que cela. Pour citer que cela. Donc, tu as mentionné Frida Kahlo, une Mexicaine. Oui. Et je suis vraiment, c'est l'histoire de Frida Kahlo, c'est vraiment, c'est une histoire fascinante. Elle a survécu un accident, elle a eu la polio et elle est une artiste assez qui peint et qui aime se peindre. Oui. Qui aime se peindre. Et il y a quelque chose qu'elle a dit que ce qui m'a pris par surprise, mais ça. On voit ça dans son art, la raison pour laquelle elle aime se peindre. Elle a dit, je peins des autoportraits parce que je suis si souvent seule parce que je suis la personne que je connais mieux. Oui, ça va parfaitement avec cette sa peinture. Oui. Quoi, tu as dit? Elle est exceptionnelle, c'est une femme exceptionnelle. Elle est une femme exceptionnelle, bien exceptionnelle. Sûr. Définitivement. Oui. Et tu sais, et Patrick Villers, il avait dans le Smithsonian, et Smithsonian, too many S's for me, Smithsonian magazine, on a un tableau de Patrick Villers parce qu'il y avait un épisode au sujet du tremblement de terre. On a exposé l'un de ces tableaux dans ce magazine-là. Donc, on dit une magazine. Donc, une magazine. T'es perdu? Pas? Non, 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 non. Une magazine? Oui, une magazine. J'ai dû y penser parce que parfois, l'anglais me fait... L'anglais et le français, les deux vont... Je pense moi, à l'anglais. L'espagnol, tu t'imagines? Donc. Oui, parce que moi, je pense en anglais, donc ici, je te parle en français, mais parfois, je pense en anglais d'abord et j'essaie de traduire. Donc, de toute façon, ça va. OK. Ça va. Ça fait plus de 35 ans que je suis aux États-Unis, donc je ne pense plus en français. Je ne pense plus en français. Donc, tu es catégorisée comme expressionniste. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Merci de toutes ces informations. C'est vraiment bien d'avoir cette conversation avec toi. Et maintenant, merci. Maintenant, je vais te demander et on va parler de notre groupe. OK. OK. Je veux te remercier de faire partie de notre groupe. Je veux te remercier de l'aide que tu... de ton aide. Dans les coulisses et avec ce groupe, parce que ça me prend beaucoup de travail et beaucoup de temps, mais je fais de mon mieux et parfois je ne peux pas trouver des personnes à pouvoir et mettre des posts sur le groupe, donc je demande à tout le monde. Est-ce que qui tu connais, je fais des recherches et tout. Et toi, tu es une personne à qui je peux demander aussi qui tu connais. Et donc, c'est bien quand tu me réponds. J'adore toujours tes idées sont toujours géniales. Je pense que c'est toi et aussi qui a des idées géniales. Et je pense que ce groupe que tu as créé et je me demandais qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer. Et
Encore une autre idée géniale de Sandra. C'est exceptionnel. Merci. J'ai créé ce groupe en 2018, on avait parlé, quelqu'un avait parlé et quelqu'un parlait d'Haïti dans des termes qui n'étaient vraiment pas favorables. C'était une insulte. Et donc, je me suis dit, donc, puisque cette personne-là parle de cette façon et de notre pays, et donc, c'est à nous, les Haïtiens. La première chose que je me suis dit, s'il le dit, il y a des personnes qui le pensent. Et ma pensée était, bon, s'il y a des personnes qui parlent de cette façon d'Haïti, donc c'est à nous les Haïtiens de changer l'impression du monde, la conversation que le monde a envers Haïti. Et donc je me suis dit, donc je vais commencer un groupe sur Facebook et puis je vais inviter tous mes amis. Et mes amis pourront inviter leurs amis. Et puis, on va commencer à célébrer les Haïtiens et à célébrer notre culture et à célébrer Haïti. Et au début, j'avais l'habitude aussi de poser des questions et pour demander que peut-on faire pour changer ce qui passe, pour faire un changement en Haïti. Mais je ne pose pas beaucoup de questions. Maintenant, comme tu le vois, le groupe, c'est plus dédié à élever, à célébrer nos compatriotes. C'est ça. Ça fait connaître tellement de talents haïtiens et notre culture. Ça me fait plaisir aussi de retrouver nos amis d'enfance et que nous avons en commun. Je nous souhaite dans le groupe tout le succès bien mérité. Merci, je le souhaite aussi. Et on a beaucoup d'amis communs, ça fait plaisir de rencontrer tous nos amis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et que puisse-t-on faire d'après toi, parce que j'adore et quand d'autres personnes me partagent leurs idées avec moi, donc que puisse-t-on faire pour atteindre notre objectif qui est de changer la conversation et qui se passe maintenant et ce qui se passe peut-être, c'est ce qui se passe en Haïti et ce que le monde pense d'Haïti aussi. Justement, en mettant en lumière et en célébrant les valeurs et les talents des Haïtiens dans tous les domaines. Et c'est la voie, je pense. En élevant ainsi notre patrimoine humain, nous travaillons à projeter une autre dimension de notre cher Haïti et témoignons de sa vraie grandeur. C'est bien dit. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est le but. C'est vraiment de célébrer la grandeur de notre pays. Oui, en effet. C'est ça. Et toi, pour toi, où te vois-tu dans le futur? Tu entends les voitures ou c'est un avion? Non, je n'entends rien. Tu n'entends rien? D'accord. J'entends les petits oiseaux de mon côté. Oh, c'est beau, j'adore ça. Et parce que d'ordinaire, je suis à l'intérieur, mais là, j'entends les bruits. C'est l'heure qu'ils rentrent et chez eux. Enfin, donc, ils sont assez nombreux de ce côté. Oh, d'accord. Okay. Donc, c'est ce qu'on a. Oui, tu me disais? Oui, me vois dans le futur? Comment tu te vois dans le futur avec ton art et tout? Ta vie et tout? Un moment comme ça, et avec une amie, je l'apprécie. J'apprécie tous les moments simples de la vie. Je me verrai toujours en train de créer dans mon monde artistique.
et de vivre encore, si Dieu le veut, encore plus proche de la nature. Qui sait, peut-être dans quelques années ou dans un futur certain, je retournerai de notre île et vivrai non loin de ce que j'aime et de ma famille. Et pour moi, ce serait le paradis. Tu n'es pas la seule à vouloir retourner au pays. Il y a tant de compatriotes qui aimeraient y aller et les touristes aussi. Et j'espère tant voir ce jour où les touristes, la diaspora retournent au pays pour visiter et pour investir au pays. Oui. J'attends ce jour avec impatiemment. Impatience. Oui, oui, je te comprends et moi aussi. Parce que toute ma famille y vit, donc, et ça fait beaucoup d'années que je vis à l'extérieur. Oui, moi aussi. Ça fait plus de 35 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et bien, on doit toujours avoir l'espoir. Et aussi, et quand on garde l'espoir, on doit aussi agir et prendre des directives qui pourront amener un changement au pays. Et c'est ce que j'espère que dans notre groupe, on peut être inspiré de prendre des actions que peut-être auparavant, on n'y avait pas pensé. Oui. J'espère que ça pourra... On verra de toute façon. Oui, en effet. En effet. Et pour conclure cette conversation, je peux te parler. je sais. On pourrait avoir une longue conversation, mais on doit conclure. On a toujours de bons moments ensemble quand on se rencontre. On rit beaucoup, on s'amuse beaucoup, ça, c'est bien. Oui. Donc, pour décrire, je vais te demander deux questions. Et si tu peux me donner un seul mot pour ces deux questions. Et un mot pour décrire Haïti. Un mot pour décrire Haïti? Oui. Intense. Haïti est vraiment intense. Ces temps-ci. Oui. Et un mot pour décrire ta vie ou la vie? Sereine. Cela te va parfaitement, ma belle. Merci. J'adore ce mot. J'adore ce mot. Et quel conseil, si tu pourrais donner un conseil aux Haïtiens? Je vais donner le conseil que je donne à mes filles, Saskia et Stéphanie. Haïti, c'est non à la violence. Ensuite, appliquons notre devise. Visons la perfection. Je pense aussi, nombreux sont perdent d'espoir ou sont découragés. N'abandonnons jamais. J'ai un proverbe que j'aime bien. Quand la vie te dit abandonne, l'espoir murmure, essaie encore une fois. C'est tout. J'adore ce que tu viens de dire parce qu'on doit toujours, on ne peut pas perdre l'espoir. Il faut toujours essayer. Et parfois, quand on essaie quelque chose et cela ne marche pas, il y a toujours une leçon. On vient d'apprendre une leçon et on vient d'apprendre quelque chose qui ne marche pas. Donc, la prochaine fois, on essaie quelque chose d'autre. Oui, c'est tout. En effet. C'est tout. Donc, j'adore ce que tu viens de dire. On a besoin d'espoir et quand on garde l'espoir, on va avoir un changement. On va avoir un changement parce qu'on va prendre
et les personnes vont agir différemment. Oui. Disons les soirs. J'espère. Donc, merci beaucoup, Rachou. Ça fait plaisir. Okay. Et on a eu une très bonne conversation. Je te remercie de ton temps. Et merci. Merci à toi. Je t'embrasse. Oh, moi aussi. Merci beaucoup. Okay. Thank you so much. Thank you for watching Candid Creoles. And please send me any questions that you have, any messages that you have. I'm going to post Rachel's website right here. And you'll be able to get on her website and then see more of her paintings. And